Suspendue pour une durée de 3 semaines, la production de manganèse dans le pays a des conséquences considérables au niveau local. Les conséquences sont diverses. On parle d'abord du groupe Eramet lui-même qui a dégringolé de près de 17% par rapport à l'arrêt de la production, suite à l'arrêt de la production du manganèse au niveau du Gabon. Et sur le plan local, les conséquences seront visibles au niveau de la chaîne de production sur place sur le site à Moanda. Des conséquences immédiates qui impactent de plein fouet les emplois indirects, dont les journaliers. Tous ceux qui entrent dans le champ de la production, toutes les personnes qui travaillent dans le champ de la production, toutes ces personnes seront impactées négativement par l'arrêt de cette activité. Bon, il n'y a pas péril dans la demeure, parce qu'on parle d'un arrêt prévisionnel de 3 semaines. 3 semaines, c'est vrai que ça paraît peu, mais ça paraît également énorme pour des travailleurs locaux, surtout ceux qui sont pointés à la journée. Rappelons que le communiqué publié par Eramet Gabon a relevé qu'aucune mesure concernant les emplois n'est envisagée durant cette période. La suspension temporaire de la production de manganèse à Moanda est une réponse à court terme aux fluctuations du marché.